Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je me permettrai de revenir au français dans une seconde. My name is Gilbert Aymond. I'm associate professor at Concordia in Applied Human Sciences and member of the Sexuality Committee here in this university. It's my pleasure to MC tonight's first event of the 20th consecutive season of the Concordia University Community Lecture Series on HIV/AIDS. La bonne nouvelle, c'est que ça fait 20 ans qu'on est là. La mauvaise, ça fait que ça fait 30 ans que le sida est encore là. Bienvenue à tous, étudiants, étudiantes, membres des facultés et du personnel, et à vous tous ici qui, ensemble, faites partie de la communauté universitaire concordienne. Vous savez peut-être que le projet VIH-SIDA de Concordia a le mandat de s'adresser à la communauté ouverte de l'Université Concordia et du grand public montréalais. Notre travail est de sensibiliser et d'attirer l'attention de notre société et des milieux académiques afin de confronter aussi la crise sociale, plutôt, donc on la confronte, engendrée par le VIH-SIDA, ceci en poursuivant notre mission éducative. Notre mission est de contribuer à la connaissance et à la sensibilisation des aspects sociaux, scientifiques et culturels de la pandémie, par l'éducation à la communauté, par le dialogue au sein des milieux académiques et par la critique sociale, et enfin, par l'encouragement du bénévolat et de l'activisme. Depuis 1993, nous travaillons à encourager la prochaine génération d'activistes, déjà plusieurs générations derrière les premiers, de chercheurs et de professeurs sur le VIH-SIDA auprès de la population étudiante actuelle. Avant d'inviter notre présentateur à prendre la parole, laissez-moi vous faire quelques remerciements qui sont nécessaires et de rigueur. Tout d'abord, nous voudrions remercier les commanditaires qui ont rendu possible cette série de conférences, les commanditaires principaux étant Vive Healthcare, en partenariat avec Shire Biochem, Gilead Sciences, la clinique L'Actuelle, le bureau directeur de l'Université Concordia. Les départements de l'Université Concordia, en particulier communication, philosophie, psychologie, école des affaires publiques et communautaires, Institut Simone de Beauvoir, sociologie et anthropologie, et le bureau du doyen de l'école de gestion de John Molson, et j'espère bientôt mon département sciences humaines appliquées. Les amis du cycle de conférences sur le VIH, la COX-SIDA, le Canadian AIDS Treatment Information Exchange, plus souvent appelé CATI, c'est pas une fille, c'est un organisme, le réseau juridique canadien VIH-SIDA, la Fondation FARA, SIDA Bénévole Montréal, aussi appelé ACCM, réseau, le magazine Tubi et Être. Je vous présente enfin sommairement le déroulement de la soirée. Je vais inviter un membre de la communauté VIH à venir présenter notre invité, puis le Dr Jacques Pépin donnera sa présentation. Nous aurons une période de 20 à 30 minutes de questions qui suivra. Et pour poser vos questions, je vous indique tout de suite qu'il y a un micro. Donc, vous devez donner votre nom. Oui? OK. OK, merci. Alors, vous avez un micro qui est ajusté par derrière. Et puis, vous pourrez poser vos questions en français ou en anglais. Nous pourrons traduire au besoin. Je vous avise qu'il y a particulièrement dans cet édifice un monstre qui mange les cellulaires qui sonnent. Fermez vos cellulaires, s'il vous plaît. Vos dons sont aussi grandement appréciés car la survie du projet VIH-SIDA Concordia compte aussi sur vos dons pour aider à notre bien-être et à notre survie. J'ai maintenant le plaisir d'inviter M. Joseph Jean-Gilles, directeur général de GAPVI, à dire quelques mots de bienvenue. Il vous présentera notre conférencier de la soirée. Merci. Et Dr Pépin et mesdames, messieurs les organisateurs et organisatrices, mesdames, messieurs, et bienvenue à vous tous.
Je tiens premièrement à remercier la responsable du programme de la 20e édition des conférences sur le VIH, Madame Esther Feinstein, qui m'a invité à présenter le docteur Jacques Pépin, le conférencier de ce soir. Mais avant, permettez-moi d'apprécier rapidement le travail de cet éminent chercheur. Il est vrai que certains d'entre nous l'ont connu que récemment, mais sa feuille de route est impressionnante et son travail aussi est d'une rigueur exceptionnelle. Son récent ouvrage, c'est ça qui nous invite à être ici ce soir, L'origine du sida, The Origin of AIDS, paru dernièrement, vient d'apporter de nouvelles lumières sur un débat qui a trop duré, le débat sur l'origine du VIH et du sida. Et c'est sans complaisance et avec une unanimité que tous les secteurs confondus ont salué les travaux de sa dernière apparition. Un accueil impressionnant par un large public et quant à la couverture de presse, elle est aussi abondante. En effet, plus de 30 ans après le premier cas de sida aux États-Unis, il s'est attaqué à l'origine du sida. Il fait état de son parcours, du rôle politique colonial de la France et de la Belgique en Afrique, du commerce du plasma sanguin en Haïti, de l'impact du tourisme sexuel américain dans la propagation du virus en Haïti. Je ne rentre pas dans le détail parce que je sais que tout ça fait partie de sa présentation. Il s'agit d'un travail rigoureux, réalisé avec passion, et réalisé sur terrain, parce qu'il a vécu en Afrique. Donc, c'est un travail de moine qu'il a amené, il m'a amené en Afrique, étant donné qu'il a pratiqué surtout en Afrique, et qu'il a amené aussi en Belgique et en France, afin de consulter les registres des interventions médicales pendant l'ère coloniale. Et partant d'une hypothèse plausible mais sensée, il a expliqué comment le virus a traversé l'Atlantique pour atterrir en Haïti, puis aux États-Unis et propager à travers le monde. Et pour le présenter, Dr Pépin est directeur de service de microbiologie et d'infectiologie à l'Université de Sherbrooke. Il collabore à des recherches cliniques et épidémiologiques depuis 1984 et mène des travaux sur le VIH en Afrique centrale depuis 1988, assurant l'encadrement des étudiants en médecine et des résidents juniors et seniors de la clinique d'infectiologie du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Il a également dirigé des projets de recherche épidémiologique en Afrique pour plusieurs médecins résidents au cours des 18 dernières années. Donc, l'année dernière, en 2011, il a donc publié le The Origin of AIDS, où il puise de ses vastes connaissances sur l'histoire africaine coloniale et postcoloniale. Après avoir passé en revue les écrits scientifiques et les textes d'histoire sociale bien antérieurs au début des débuts des années 80, période où le monde entier s'est éveillé à l'existence du VIH, le docteur Pépin a su tirer d'étonnantes conclusions sur la genèse de cette maladie. Comme je le disais avant, l'excellent travail de Dr Pépin a été reconnu autant par le milieu scientifique, par ses pairs, que par d'autres secteurs de la société. Nous en avons pour preuve quelques distinctions. Je vais en citer quelques-unes parce que je ne crois pas avoir eu la liste au complet. Il a été reçu cette année en février 2002. Personnalité de la semaine du journal La Presse, est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Honoré par l'émission Les Années-Lumière de Radio-Canada à titre de scientifique de l'année 2011 pour sa contribution fondamentale à la connaissance des origines du VIH et du sida. Il a reçu le prix Personnalité internationale de l'année décerné par l'émission Une heure sur terre de Radio-Canada en association avec le Cerium de l'Université de Montréal et le journal Le Devoir. Je me limite à ces distinctions. D'autres m'ont sans doute échappé. Dans le cadre de la conférence de ce soir qui s'intitule « Nouvelles perspectives sur les origines du sida »,
comment prévenir d'autres pandémies, Dr Pépin mettra à profit son talent de vulgarisateur, comme il l'a si bien fait dans le livre, pour nous aider à comprendre la question et surtout à tirer des leçons, pour que jamais plus des erreurs de la sorte ne viennent provoquer notre indignation. Mesdames, Messieurs, accueillons le docteur Jacques Pépin. Merci. Merci. Thank you very much. It's a pleasure to be here. I was asked to give my talk in French, and I'll be happy to do so. But at the end, should you want to ask questions in English, of course, I'll be happy to take them in English. You'll get the slides both in French and in English, so that should be easier for you. So, can we move to the next slide? Faut que je passe au français. Avant de commencer ma présentation, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec l'Afrique, l'histoire de l'Afrique centrale, je veux juste attirer votre attention sur les changements de nom de certains lieux. Le pays qui est actuellement connu sous le nom de la République démocratique du Congo, la RDC, à l'époque coloniale, c'était le Congo belge. Peu après son indépendance, c'est devenu la République démocratique du Congo. Et pendant de nombreuses années, le pays était connu sous le nom de Zaïre. Et de nouveau, aujourd'hui, ça s'appelle la RDC. Donc, tout ça, c'est le même pays. La ville de Léopoldville, dont je vais vous parler beaucoup pendant ma présentation, elle est actuellement connue sous le nom de Kinshasa. Alors, il y a le sommet de la francophonie qui commence demain à Kinshasa. De l'autre côté du fleuve Congo, il y a un autre pays qui est actuellement connu sous le nom de Congo-Brazzaville. À l'époque coloniale, ça s'appelait le Moyen Congo. Donc, je vais utiliser ces noms au fur et à mesure de ma présentation selon le moment des événements dont je vous parle. J'ai travaillé pendant 4 ans dans ce qui s'appelait à l'époque le Zaïre. La première année, c'était dans cet hôpital, un endroit qui s'appelle Kisantu, un hôpital missionnaire. Et c'est un très bel hôpital, un très bel endroit. À l'époque, et d'ailleurs ce n'est pas très différent aujourd'hui, le téléphone là-bas ne fonctionnait pas, la poste ne fonctionnait pas. Évidemment, c'était bien avant Internet. Donc, nous n'avions aucun lien avec l'extérieur, si bien que quand cet article a été publié en juin 1981, évidemment, je n'en ai pas pris connaissance immédiatement. Cet article, c'est considéré comme la date de naissance du sida, donc la première description de 5 cas de pneumonie à pneumocystis chez des homosexuels de la Californie. Mais en réalité, c'est ce que je vais vous raconter dans la prochaine heure, le virus se propageait en Afrique et dans bien d'autres parties du monde depuis déjà 60 ou 70 ans. À ce moment-là, quand cet article a été publié, évidemment, personne, absolument personne, aurait pu prédire que 30 ans plus tard, le bilan du sida serait le suivant. Il y a environ 67 millions de personnes qui ont été infectées par le virus depuis le début, et il y en a à peu près la moitié, soit 33 millions qui en sont décédés, un nombre à peu près équivalent vivent avec le VIH et, comme vous le savez certainement, les 2/3 de ces gens-là habitent en Afrique. Dès les débuts de la connaissance du sida, on s'est intéressé à l'Afrique centrale. La raison est bien simple, c'est qu'en Europe, en Belgique en particulier, dans les premiers 100 cas de sida, il y en avait à peu près la moitié qui était chez des Congolais ou des Aérois. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce pays. Alors, vous avez ici une diapo qui vous montre, en fait, les débuts de la recherche sur le sida en Afrique. Ça s'appelait le projet SIDA à Kinshasa de 84 à 91. Jonathan Mann, dont vous avez peut-être entendu parler, a été le premier directeur de ce projet. De l'autre côté, vous avez Peter Piot, qui a été pendant longtemps le directeur de UNAIDS, qui était impliqué dans ce projet. Si on peut changer de diapo. En fait, dès les débuts, déjà à ce moment-là, on a commencé à suspecter que le virus venait de l'Afrique centrale.
les arguments qui étaient employés à l'époque étaient relativement faibles en rétrospective, mais quand même, je vous les explique. D'abord, la prévalence du VIH à Kinshasa, à l'époque, c'était entre 5 et 8 % et c'était à ce moment-là la prévalence la plus élevée parmi la population générale d'une ville. Évidemment, par la suite, il y a plein de pays en Afrique de l'Est, en Afrique australe, où il y a eu des prévalences beaucoup plus élevées. Mais à l'époque, c'est ce qu'on connaissait de plus élevé. Et on s'est dit, naturellement, si il y a plus de VIH ici au Congo, c'est parce que le virus doit être présent depuis plus longtemps. Alors, on a commencé à tester des collections de sérum, en fait, qui avaient été obtenus dans les décennies précédentes pour d'autres études. Et on a commencé, quand les tests sérologiques sont devenus disponibles, on a commencé à les tester pour voir s'il y avait des anticorps contre le VIH. Je vous résume ça en deux mots. En fait, les seuls échantillons positifs avant 1980 venaient tous du même pays, le Zaïre. Dans un de ces échantillons qui avait été obtenu en 1959, on a réussi non seulement à détecter les anticorps, mais à détecter le virus lui-même, ou en tout cas une partie du génome du virus. Et ça, c'est encore aujourd'hui l'isolat de VIH le plus ancien, donc 1959. Et 20 ans plus tard, on a réussi à trouver un deuxième isolat très ancien. Celui-là, ça venait d'une biopsie d'un ganglion lymphatique. Ça avait été obtenu dans la même ville de Kinshasa en 1960. Donc ça suggérait que l'origine du virus venait de cette région-là. On en a eu, en fait, la certitude avec la publication de cet article il y a déjà 12 ou 13 ans. Vous avez une photo de la chercheuse principale qui s'appelle Beatrice Hahn, qui travaillait à l'époque à Birmingham, Alabama. Et cet article, en fait, a documenté de façon à peu près certaine que l'origine du VIH, c'est un chimpanzé, et pas n'importe quel chimpanzé, un chimpanzé qui s'appelle Pantroglottistes troglottistes, qui est le chimpanzé d'Afrique centrale. Et comment on a su ça? Je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est par la biologie moléculaire. Donc, en séquençant certains gènes du virus, on est capable ensuite de classifier les différents virus. Ce que vous avez à gauche, c'est ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. Donc, ça nous montre comment les virus sont reliés les uns aux autres. En rouge, en encadré, ce sont les virus du chimpanzé, Pantroglottistes troglottistes. Et vous voyez qu'il est situé à l'intérieur d'un groupe de virus qui sont des virus humains, le VIH. Okay? Donc, à l'époque, c'était assez brave, cette conclusion-là, parce que c'était basé sur un petit nombre d'échantillons. Mais il y a beaucoup de travail par la suite qui a prouvé que c'était le cas. Donc, ces gens-là avaient bien raison. Alors, ça nous permet déjà de beaucoup mieux cibler, de savoir d'où provenait le tout premier cas de VIH. Et ce que vous avez ici, c'est une carte de l'Afrique. Et dans le fond, la région qui est habitée par le chimpanzé dont je viens de vous parler, c'est ce qui correspond à la couleur un peu orange-brun. Donc, vous pouvez voir que ça correspond au sud du Cameroun, une petite partie de la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. OK? Donc, il n'y a absolument aucun doute aujourd'hui que le tout premier cas, le vrai patient zéro, habitait quelque part dans un de ces pays-là. Vous pouvez voir tout de suite que, en fait, le Congo belge ou la RDC, c'est situé de l'autre côté du fleuve Congo et les chimpanzés qu'on y retrouve ne sont pas les chimpanzés qui sont la source du VIH. D'accord? Donc, le premier cas n'habitait pas le territoire du Congo belge, mais vous allez voir qu'ensuite, ce pays-là a joué un rôle important dans la dissémination du virus. Les chimpanzés, pour ceux qui ne connaissent peut-être juste une petite revue, en fait, vous expliquer un petit peu. D'abord, les chimpanzés, comme vous le savez certainement, c'est l'animal qui a le plus en commun avec l'humain. En fait, si on regarde l'ADN, il y a à peu près 99 % de similarité avec le nôtre. Et il y a même un débat en taxonomie.
à savoir si le pantroglottistèse, donc le chimpanzé, ne devrait pas être déplacé et que ça devienne, que ça s'appelle le homo troglottistèse, tellement c'est près de nous. Les chimpanzés, en fait, se vivent en petits groupes, des groupes qui contiennent en général entre 15 et 150 individus. Et le chimpanzé est un animal territorial, c'est-à-dire qu'il a un territoire bien défini sur lequel il va passer toute sa vie et qu'il va défendre de façon très agressive contre des agresseurs, en particulier contre d'autres groupes de chimpanzés. Les chimpanzés ont relativement peu de contact avec les humains et en fait, le seul contact, c'est via la chasse. Alors, en Afrique centrale, ce que je peux vous dire, c'est que les chasseurs ne vont que très rarement dans la forêt spécifiquement pour chasser le chimpanzé. Le chimpanzé, c'est un animal qui est dangereux à chasser parce qu'il est fort, il est agressif, il est intelligent, il vit en groupe. Donc, les chasseurs ne vont pas spécifiquement chercher des chimpanzés, mais de temps en temps, il y a un chimpanzé qui est tombé dans un piège. Alors là, évidemment, le chasseur, c'est une aubaine, beaucoup de viande, donc l'animal, on va le tuer s'il n'est pas déjà mort. On va le découper en morceaux pour être capable de l'amener au village. On n'en aura jamais la preuve, mais c'est à peu près certain que le tout premier cas, celui qui a parti la pandémie, c'était probablement un chasseur qui s'est infecté en dépeçant l'animal, donc probablement qu'il s'est blessé avec son couteau. Le sang du chimpanzé est entré en contact avec son sang. Si ce n'était pas le chasseur lui-même, c'était peut-être la femme du chasseur. Une fois que l'animal était ou que les morceaux étaient ramenés au village, on le découpait pour le préparer. Et donc, c'est à peu près certain que c'est de cette façon-là que l'épidémie a commencé. Diapo suivante. Le même groupe, en fait, de chercheurs dont je vous parlais, a travaillé beaucoup sur la distribution de ce virus. Alors, le même virus, quand c'est chez l'humain, c'est le HIV. Et exactement le même virus chez le chimpanzé, on appelle ça SIV-CPZ. Et en fait, ils ont fait beaucoup de travaux, un travail assez extraordinaire pour aller chercher dans la forêt des selles, donc des matières fécales de chimpanzés, pour essayer de rechercher la présence de l'ADN du virus dans ces échantillons-là. Je vous résume ça en quelques lignes, en fait. La distribution du virus, elle est très hétérogène parmi les communautés de chimpanzés. Ça peut être, à beaucoup d'endroits, en fait, aucun chimpanzé n'est infecté. Il y a d'autres territoires où c'est jusqu'à 30-35% des chimpanzés qui sont infectés. On a longtemps pensé que le virus chez les chimpanzés était tout à fait inoffensif. Ce n'est plus vrai. En fait, on sait maintenant que chez les chimpanzés, le virus a à peu près le même effet que chez l'humain, c'est-à-dire qu'il augmente la mortalité par un facteur d'à peu près 10. Donc, il est létal également chez le chimpanzé. Un petit peu de biologie moléculaire, je ne vais pas aller dans les détails, mais juste vous expliquer qu'est-ce que ça peut nous dire sur les origines du VIH. En fait, les différents types de VIH1, donc je ne parle pas du VIH2, ça c'est un autre virus. Le VIH1, il est d'abord divisé en 4 groupes. Pourquoi on parle de groupes ou comment on définit les groupes? C'est quand on fait le séquençage, donc quand on regarde l'ADN ou l'ARN du virus, quand ça se distingue les uns des autres par un facteur qui est situé entre 20 et 50%, par convention, on considère que c'est un groupe différent de VIH. Donc, il y a 4 groupes actuellement décrits. Celui qui a causé la pandémie à l'échelle du monde, c'est le groupe M, 67 millions de personnes qui ont été infectées. Il y a ensuite le groupe O, qui est limité essentiellement au Cameroun et les pays autour du Cameroun. Beaucoup moins de succès épidémiologique, à peu près 10 000 personnes infectées. Il y a finalement le groupe N, qui est limité, lui, au Cameroun, à date, environ 13 personnes infectées. Plus récemment, le groupe P, qui est également uniquement chez 2 Camerounais et seulement 2 personnes infectées. Les 4 groupes, on pense qu'ils correspondent
à des événements différents de transmission du chimpanzé à l'homme. Donc, il y a eu au moins 4 infections, 4 virus qui ont été transmis du chimpanzé à l'homme, probablement tous par la chasse, et chacun de ces événements-là a entraîné le nombre de cas que vous voyez. Et on est à peu près certain également que pour chacun de ces groupes-là, en particulier le groupe M, le nombre d'événements du chimpanzé à l'homme, c'est 1. Donc, c'est un seul événement qui a parti la pandémie. Ensuite, le VIH de groupe M, il est sous-divisé en ce qu'on appelle des sous-types. Donc ça, quand on regarde les séquences d'ARN, ils sont différents les uns des autres par quelque chose entre 10 et 20. Alors, les sous-types, c'est différent. Ça représente en fait l'évolution du virus chez l'humain. Donc, quand le virus se multiplie, il fait des erreurs de réplication, c'est ce qu'on appelle aussi des mutations, et l'accumulation de ces erreurs, éventuellement, ça amène suffisamment de diversité pour qu'on considère que c'est un sous-type différent. Alors, il y a 9 sous-types de VIH reconnus actuellement. Le plus important à l'échelle du monde, c'est le sous-type C, parce que c'est ce sous-type-là qui a infecté le sud de l'Afrique, donc l'Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho. Ici au Canada, en Occident, en Haïti aussi, c'est le sous-type B, à peu près 12 % des cas à l'échelle du monde. Et il y a 7 autres sous-types qui sont identifiés par des lettres. En fait, qu'est-ce qu'on peut apprendre quand on regarde la diversité génétique du VIH? Il faut juste comprendre que quand vous regardez un endroit particulier, disons à Montréal ou au Congo, dont je vais vous parler, le plus que vous avez de diversité, ça veut dire que le virus est présent à cet endroit-là depuis plus longtemps. Donc, s'il est là depuis plus longtemps, il y a eu plus de chances de faire des erreurs dans sa réplication. Ça amène la diversité. La diversité dépend non seulement de la durée, mais dépend également de la transmission. Si vous êtes dans un endroit où le virus est apparu en même temps, disons il y a 75 ans, qu'il y a eu très peu de transmission, donc chaque personne infectée en infecte une autre à tous les 5 ans, disons, là vous allez avoir peu de diversité. Par contre, vous introduisez le virus au même moment dans un endroit où il y a beaucoup de transmission, donc chaque personne infectée en infecte une autre à tous les 3 mois, disons. Et là, quand vous avez plus de personnes infectées, vous avez plus de virus produits à chaque jour, vous avez plus d'erreurs de réplication, éventuellement, vous avez plus de diversité. Ce qu'on peut voir sur la prochaine diapositive, c'est une carte de l'Afrique et donc chaque cercle correspond à un pays. Chaque couleur correspond à un sous-type de VIH. Ce que vous pouvez voir sur cette carte, c'est qu'en plein milieu, en fait, l'endroit où il y a le plus de diversité, c'est la République démocratique du Congo, où on retrouve en fait tous les sous-types de VIH qui sont connus. Si vous regardez juste à côté, le cercle à gauche, ça c'est la République du Congo-Brazzaville. Et on peut voir qu'il y a également beaucoup de diversité génétique du VIH à cet endroit-là. Donc, ce genre d'argument-là nous dit que c'est dans ces deux pays-là, en particulier la RDC et en particulier dans la ville de Kinshasa, que le virus a réussi à se disséminer avec succès et cette dissémination a entraîné la diversité génétique. Et quand les techniques de biologie moléculaire se sont beaucoup améliorées vers aux environs de l'an 2000, les chercheurs sont retournés dans les échantillons sanguins qui avaient été obtenus à Kinshasa en 1985. Et déjà à ce moment-là, à Kinshasa, et la même chose à Brazzaville aussi, mais surtout à Kinshasa, on retrouvait tous les sous-types de VIH. Il y avait déjà plus de diversité du VIH à Kinshasa il y a 27 ans que ce qu'on retrouve aujourd'hui n'importe où dans le monde. Donc, ça, ce genre d'argument-là nous dit aussi la même chose, que c'est là que le virus
a atteint une masse critique de personnes infectées qui lui a permis de se diversifier. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la géographie de cette région, vous avez une photo satellite. Alors, vous avez au milieu, c'est le fleuve Congo. C'est juste pour vous montrer que vous avez au nord, vous avez Brazzaville, donc la capitale du Congo-Brazzaville. Au sud du fleuve, vous avez la ville de Kinshasa ou Léopoldville à l'époque coloniale. Le fleuve fait environ 4 km de large à cet endroit-là. Et déjà à l'époque coloniale, vous avez une photo en bas, il y avait beaucoup de voyages, donc il y avait comme un traversier qui traversait le fleuve à toutes les 30 minutes. Et vous avez également, pour illustrer en bas, déjà à l'époque coloniale, il y avait des matchs de soccer ou de football entre les équipes respectives, et il pouvait y avoir à ce moment-là des milliers de personnes de Brazzaville qui allaient à Léopoldville pour encourager leur équipe ou vice-versa. Donc, au point de vue de la dissémination des maladies infectieuses, Brazzaville et Kinshasa peuvent être considérés comme une seule et même ville. Je vais vous parler surtout de Kinshasa, de Léopoldville, mais en fait, la même chose probablement survenue de l'autre côté du fleuve en même temps. On connaît aussi beaucoup mieux maintenant la chronologie de l'émergence du VIH. Je vais vous expliquer en deux mots, en fait, comment on arrive à ce genre de conclusion-là. C'est encore une fois à partir du séquençage de l'ARN du virus. Et en connaissant à tel endroit du génome, à quelle fréquence il y a des mutations, on est capable, après ça, en utilisant des outils informatiques très puissants, de refaire, en fait, l'histoire ancienne du virus à un endroit donné. Je vous résume ça en deux mots. En fait, vous avez ici l'article qui a été publié dans la revue Nature il y a 4 ou 5 ans qui a démontré ça. Donc, on a cherché à savoir l'ancêtre commun de tous les virus VIH de groupe M, donc en fait le virus du fameux patient zéro. En quelle année est-ce qu'il existait? Et dans l'article, il y avait deux modèles mathématiques. Le premier disait que ça remontait à 1908, le deuxième 1921. Il y avait une marge d'erreur sur chacune de ces dates. Donc, la date exacte, on ne la connaît pas, mais on est à peu près certain, en fait, que le tout premier cas existait pendant les 3 premières décennies du 20e siècle, donc entre 1900 et 1930. À travers les mêmes outils de biologie moléculaire, on est capable de refaire la dynamique de l'infection dans un endroit donné. Alors, la courbe que vous avez ici, la courbe noire, c'est le nombre de personnes infectées par le VIH en République démocratique du Congo. Ce que vous avez en bleu, c'est la marge d'erreur, donc ce qu'on appelle l'intervalle de confiance sur cette estimation. Et ce que vous pouvez voir, en fait, c'est que pendant très longtemps, en fait, pendant peut-être 50 ans, en République démocratique du Congo, le nombre de personnes infectées est resté stable et était relativement faible, peut-être une centaine. Et à partir du début des années 50, vous voyez que ça commence à augmenter de façon importante. L'échelle, si vous regardez à droite, c'est une échelle logarithmique. Donc, en fait, la courbe droite que vous voyez à partir du début des années 50 correspond à une augmentation exponentielle du nombre de personnes infectées par le VIH. Donc, on va maintenant essayer de comprendre ce qui a pu se passer au début des années 50 pour que tout à coup, le feu prenne à Léopoldville ou à Kinshasa. Alors, Léopoldville, c'était la capitale du Congo belge. Ça a été organisé par les Belges comme un camp de travail. Donc, le but du colonisateur, c'était d'avoir dans la ville uniquement les hommes dont on avait besoin soit pour les compagnies privées, soit pour le gouvernement colonial. Donc, il y avait toutes sortes de documents qui étaient nécessaires pour arriver jusqu'à Kinshasa. Et en fait, quand vous perdiez votre emploi, il y avait une espèce de, ils appelaient ça la bourse du travail.
Si on n'avait pas besoin de vous, s'il n'y avait aucune compagnie qui avait besoin d'un travailleur, ce n'était pas compliqué, vous deviez partir. Donc, le taux de chômage était inférieur à 1 % pour cette raison-là. Vous comprenez qu'à ce moment-là, que les femmes n'étaient pas les bienvenues à Léopoldville, puisque le colonisateur n'avait pas besoin de leur travail pour ses entreprises. Et donc, la migration des femmes, elle était également fortement découragée. Et le résultat, vous l'avez sur cette diapo. En fait, ce que ça montre, c'est le ratio entre le nombre de femmes, le nombre d'hommes adultes divisé par le nombre de femmes adultes dans la ville de Léopoldville. Vous pouvez voir qu'au début des années 20, il y avait comme 4 ou 5 hommes pour chaque femme. Ensuite, ça l'a diminué un peu, mais pour l'essentiel de la période coloniale, il y avait 2 fois plus d'hommes que de femmes à Léopoldville. En réalité, quand on veut regarder, disons, les partenariats sexuels, si on exclut de ces calculs les hommes et les femmes mariés, qu'on prend uniquement les célibataires, les divorcés, les veufs, donc, il y avait à ce moment-là, pour chaque femme, il y avait entre 5 et 10 hommes adultes à Léopoldville. Les conséquences de ça étaient relativement faciles à prévoir. Alors, à partir des années 40, Léopoldville est devenue ce que des historiens ont appelé la capitale de l'ambiance. L'ambiance, c'était le party. Et les historiens décrivent 3 piliers à cette ambiance. Les bars, alors il y en avait un nombre absolument extraordinaire à Léopoldville, les musiciens, et sur la diapo suivante, celles qu'on appelait les femmes libres. Alors ces femmes pratiquaient je pense qu'on pourrait appeler ça une forme de prostitution soft, donc ici je parle de semi-prostitution. La façon dont elles opéraient, c'est qu'elles avaient 3 ou 4 clients réguliers. Donc, Robert passait là tous les lundis soirs, Albert allait là tous les mercredis, Floribert allait là tous les vendredis, et ces femmes, en fait, fournissaient à ces hommes des services assez diversifiés, un bon repas, on s'occupait de la lessive, conversation et évidemment, relations sexuelles à la fin de tout ça. En échange de quoi? Ces hommes leur donnaient un support financier régulier. Donc, ce n'était pas de la prostitution à haut volume, c'était une prostitution soft. Et sans tomber dans disons, ce qu'on appelle les modèles mathématiques, ce que je peux vous dire, c'est que ce genre de prostitution ou de partenariat concomitant, c'était suffisant certainement pour la persistance du VIH à Léopoldville, peut-être l'augmentation très lente qu'on a vue au début de la diapositive précédente, mais ça ne peut pas expliquer l'augmentation exponentielle qui est survenue à partir des années 50. Alors, si ce n'était pas le sexe, qu'est-ce que c'était? Et alors, moi, personnellement, mes yeux sur la possible rôle des interventions médicales ont été beaucoup ouverts par cet article qui a été publié dans la revue Lancet en l'an 2000. Ce que ça décrit, ça se passe en Égypte, donc ça n'a pas un lien direct avec les débuts du sida, parce qu'en Égypte, il n'y a pas de chimpanzés. Mais faut revenir à la diapo précédente. Ce que cet article montrait, c'était qu'en Égypte, il y a eu des interventions de masse dans les années 60, donc c'est relativement récent, pour lutter contre une maladie parasitaire qu'on appelle la schistosomiase. Et dans ces interventions, on allait dans tous les villages et on donnait des médicaments par voie intraveineuse à l'ensemble de la population. Le résultat, c'est ce que vous avez à droite sur la diapo, c'est que dans certaines régions d'Égypte, chez les gens en haut de 40 ou 50 ans, essentiellement la moitié, même plus de la moitié, ont été infectés par le virus de l'hépatite C. Le virus de l'hépatite C, sa transmission sexuelle est très inefficace. Donc ça, ce que ça démontre, c'est de la transmission par les injections. Sur la diapo suivante, là, on se rapproche beaucoup du cœur de l'histoire. En fait, c'est une diapo qui vous démontre à peu près la même chose,
la prévalence de l'hépatite C chez certaines populations du sud du Cameroun. Donc là, on est dans l'endroit même où le chimpanzé qui nous intéresse habite. Et vous pouvez voir en fait la même chose. Le graphique est fait à l'envers. Mais ce que ça montre, c'est que chez les gens qui sont nés avant 1950, dans cet endroit-là, dans plusieurs endroits du Cameroun, au moins la moitié se sont infectés par le virus de l'hépatite C. Donc, il y a eu une transmission très importante d'un autre virus par les injections. Ces articles-là, en fait, n'expliquaient pas ou n'avaient pas tenté de comprendre de quelle façon le virus s'était transmis. Alors, moi, ça m'intéressait beaucoup. Je suis allé, il y a déjà 6 ou 7 ans, à Marseille. Donc, ce que vous avez ici, c'est l'Institut de médecine tropicale de l'armée française à Marseille. Et là, ils ont conservé les archives des systèmes de santé de toutes les colonies françaises à l'époque coloniale. Ce que ça montrait, j'en ai plusieurs diapos, je vais vous en montrer seulement 2, en fait. Ce que j'ai trouvé là-bas, c'était d'abord une documentation d'une richesse extraordinaire. Il y avait des statistiques sur tout, en fait, ce qui était fait comme intervention médicale. Et ce que j'ai découvert en allant là, c'est qu'il y a eu une utilisation absolument extraordinaire des médicaments injectables, en particulier des injections intraveineuses, pour traiter beaucoup de maladies tropicales. Alors, ce que vous avez ici, c'est des médicaments qui ont été utilisés pour traiter la maladie du sommeil, la trypanosomiase. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'année après année, pardon, la diapo précédente, année après année, en fait, il y avait des consommations phénoménales. Dans certains pays, il pouvait y avoir plus de 500 000 injections intraveineuses qui étaient faites chaque année uniquement pour traiter cette maladie-là. Si on va sur la diapo suivante, on peut voir que une fois que cette maladie, la maladie du sommeil, a été contrôlée, parce que les programmes de contrôle ont été relativement efficaces, le colonisateur français s'est ensuite intéressé à d'autres maladies et ils ont commencé des interventions de grande échelle contre la syphilis et contre une autre infection qu'on appelle en français le pian, en anglais c'est YARS, et c'est causé par une bactérie qui ressemble à celle de la syphilis. Et la façon dont ça se passait, c'est qu'en fait, ils avaient des équipes mobiles. Donc, ils allaient dans les villages, tous les villages du Cameroun et également du Congo-Brazzaville et du Gabon. On examinait toute la population. La présence, évidemment, était obligatoire. Et tous ceux qui avaient telle ou telle maladie, ils étaient traités avec ces médicaments injectables et ils étaient traités dans le village même. Donc, ils n'avaient jamais besoin d'aller à l'hôpital. Il y avait un infirmier qui restait sur place et qui leur faisait leurs injections. À mon avis, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque, les médicaments qui étaient disponibles étaient peu efficaces. Donc, pour avoir un peu d'efficacité, il fallait absolument les donner par voie intraveineuse pour que l'ensemble, en fait 100% de la dose, se retrouve dans la circulation du patient. Les gens, à l'époque, connaissaient à peu près rien sur les virus, donc on n'était pas conscient du danger de transmettre des virus. Et tous ceux qui ont fait l'hépatite C, en fait, quand vous vous infectez avec le virus de l'hépatite C, c'est très rare que vous allez développer une jaunisse. Donc, les infections par le virus de l'hépatite C passaient relativement inaperçues. Et à mon avis, si ça a pu se produire pour l'hépatite C, on a vu que 50% des gens se sont infectés, ce serait extraordinaire que la même chose ne soit pas survenue pour le VIH. Le VIH, diapo suivante. La difficulté d'étudier le VIH, évidemment, c'est sa létalité. Okay? Les gens qui ont été infectés par le VIH dans les années 50 ou même les années 40, évidemment, ils sont tous morts du sida 10 ou 15 ans plus tard. Donc, ils sont morts et enterrés depuis longtemps. Ils ne sont plus disponibles pour être étudiés. Donc, pour étudier ça, il faut le faire de façon indirecte en employant d'autres virus, des virus qui, eux, sont compatibles avec la survie. Alors, je l'ai fait avec 3 virus différents, le VIH2 en Afrique de l'Ouest,
le virus de l'hépatite C, et un autre virus qui est également un rétrovirus, donc dans la même catégorie que le VIH, qui s'appelle HTLV1. Sur la diapo suivante, je vous résume en fait en une diapo 6 ou 7 ans de travail. Ce qu'on a démontré par des études dans ces trois pays, donc la Guinée-Bissau, la République centrafricaine et le Cameroun, dans ces trois pays-là, nous sommes allés, nous avons recruté des personnes âgées, donc de plus de 50 ou 60 ans selon les pays. On leur administrait un questionnaire assez détaillé sur les antécédents médicaux. Et ensuite, on obtenait un petit peu de sang qu'on testait pour différents virus. Alors, en Guinée-Bissau, le VIH2 a été transmis par des traitements de la maladie du sommeil, également a été transmis par les traitements de la tuberculose. En République centrafricaine, vous pouvez voir que le virus de l'hépatite C a été transmis également par les traitements de la maladie du sommeil. Le virus HTLV1 a été transmis non seulement par les transfusions, mais également par des injections d'un médicament qui s'appelle pentamidine, qui était donné à toute la population pour prévenir la maladie du sommeil. Au Cameroun, nous avons démontré que l'intervention médicale la plus importante pour l'hépatite C, ça a été les traitements intraveineux de la malaria. Donc, si on met toutes ces études-là ensemble, si c'est survenu dans trois pays différents avec trois virus différents, c'est à peu près certain que la même chose a dû arriver pour le VIH. Alors, si on revient à l'endroit qui nous intéresse, qui est au cœur de l'histoire du sida, donc la ville de Léopoldville, c'est pour vous essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans les années 50. Alors, Léopoldville, il y avait une importante population belge. Dans les années 50, il y avait environ 35 000 Belges qui vivaient là. Le but des services de santé là-bas, c'était d'empêcher que les gens que vous voyez à gauche aboutissent sur le côté droit de la diapositive, donc dans le cimetière pour les expatriés. Et comment on faisait ça? C'est qu'on avait des programmes agressifs de contrôle des maladies infectieuses parmi la population africaine, la population congolaise. C'était fait, bon, ça aidait les Congolais, bien sûr, mais le but de ça, c'était de protéger les Belges. À cause de ça, il y avait à Léopoldville relativement peu de maladies tropicales, la maladie du sommeil, la schistosomiase, la lèpre, parce que les gens qui avaient ça étaient dépistés et ils étaient traités rapidement. Donc, il y avait relativement peu d'opportunités de transmission de virus par le traitement de ces autres maladies tropicales. Par contre, ce qu'il y avait, et qui à mon avis a joué un rôle capital dans l'émergence du VIH, à partir de 1929, il y avait une clinique qu'on appelait le dispensaire antivénérien, donc pour traiter les maladies transmises sexuellement. Et alors, c'est un organisme à but non lucratif qui a financé et géré cette clinique. Et alors, dans cette clinique, il y avait d'abord les gens qui avaient des symptômes de MTS. Donc, si vous étiez un homme puis que vous aviez un écoulement urétral, vous deviez aller là pour vous faire traiter. Tous les migrants, donc les gens qui partaient des régions rurales qui arrivaient à Léopoldville, devaient se présenter là. C'était obligatoire. Ils devaient être testés pour les maladies transmises sexuellement pour avoir le droit de vivre à Léopoldville. Et surtout, les femmes libres, dont je vous ai parlé tantôt, donc ces femmes qui étaient dans le fond, qui étaient des femmes adultes, qui vivaient par leurs propres moyens, donc elles étaient considérées comme étant toutes des prostituées, disons, c'était ça l'option, le default option, si on peut dire. Donc, elle devait, par la loi, elle devait se présenter là tous les mois pour avoir des examens de dépistage des MTS. Et éventuellement, donc, vous avez des photos de cette clinique et vous voyez en bas une femme qui est en train d'être traitée pour, entre guillemets, potentiellement la syphilis. Et c'était une des grandes activités de cette clinique, c'était le traitement de la syphilis. À l'époque, la pénicilline, les antibiotiques n'existaient pas. Donc, ce qui était utilisé, c'était des médicaments qui étaient des médicaments contenant de l'arsenic et c'était administré par voie intraveineuse une fois par semaine pendant 12 à 15 semaines.
Après le traitement, on vous refaisait des prises de sang. Et si vous aviez encore des anticorps, on vous retraitait une deuxième ou peut-être une troisième fois. Dans cette petite clinique que vous voyez ici en bas, en 1953, il s'est fait 154 000 injections de différents médicaments, dont à peu près la moitié étaient des injections intraveineuses. Ce qui est assez extraordinaire, quand on regarde ça rétrospectivement, en fait, c'est que tous ces traitements-là, la très grande majorité, étaient des traitements inutiles. Les patients en question venaient de régions du Congo où il y avait beaucoup cette autre maladie dont je vous ai parlé, qui s'appelle le pian, YARS en anglais. Et cette infection-là qu'ils avaient acquis dans leur enfance, ils développaient des anticorps qui étaient à peu près les mêmes que les anticorps qu'on développe dans la syphilis. Et donc, ça donnait des tests qui étaient positifs pour la syphilis. Au début des années 50, donc c'est la période où il y a eu l'augmentation exponentielle du nombre de personnes infectées. À cette époque-là, quand on regarde les rapports de la clinique en question, 97 % des patients qui étaient traités pour la syphilis en fait, n'avaient eu aucun symptôme, aucun signe de syphilis. Ils étaient traités uniquement parce qu'ils avaient un test qui était positif, probablement dans la très grande majorité des cas, parce qu'ils avaient fait le pian. Et vous avez ici sur cette diapo l'évolution, en fait, du nombre d'injections qui étaient faites dans cette clinique. Donc, vous avez le pic dont je vous ai parlé en 1953, 154 000 injections. Et vous pouvez voir après ça une baisse extrêmement rapide du nombre d'injections. Il y avait plusieurs raisons qui ont expliqué la baisse du nombre d'injections. Une de ces raisons a été la publication de cet article en 1953 dans une revue belge de médecine tropicale. Et l'auteur, qui était un médecin qui travaillait à Léopoldville, a décrit une épidémie d'hépatite. À l'époque, on appelait ça l'hépatite par inoculation. C'était certainement de l'hépatite B. Et en fait, ces cas-là survenaient essentiellement chez des gens qui étaient traités pour la syphilis au dispensaire antivénérien de Kinshasa. Alors, dans son article, il décrivait une trentaine de cas, mais évidemment, il a dû y avoir beaucoup plus de cas qui ne se sont jamais rendus jusqu'à son hôpital. Et dans l'article, en fait, l'auteur, le Dr Paul Behait, décrit dans le détail, en fait, il est allé voir comment les seringues et les aiguilles étaient gérées dans le dispensaire antivénérien. Je vous résume ça en deux mots. En fait, entre un premier patient et un deuxième patient, il y avait tellement de patients à traiter, il n'y avait pas beaucoup de seringues et d'aiguilles. Donc, on se contentait de rincer la seringue et l'aiguille avec de l'eau. Et cinq minutes plus tard, on l'utilisait pour un autre patient. Donc, à mon avis, cet endroit-là, puis ça, c'est un peu hypothétique, mais je pense qu'il y a beaucoup d'arguments qui suggèrent que cette clinique-là a joué un rôle important dans l'émergence du VIH à Léopoldville. Dans une même clinique, il y avait les migrants, donc les gens qui venaient des régions rurales, peut-être un chasseur qui s'était infecté avec le virus du chimpanzé. Et dans la même clinique, vous aviez les femmes libres. Donc, s'il y a eu la transmission de l'hépatite B à ces femmes libres, il y a probablement eu également la transmission du VIH. Et ces femmes, elles avaient trois ou quatre partenaires sexuels. Donc, après ça, elles ont eu le loisir de transmettre le virus sexuellement à certains de leurs partenaires sexuels. Donc, à mon avis, c'est probablement ça qui explique l'augmentation exponentielle qui a commencé dans les années 50. Sur la diapo suivante, c'est assez intéressant quand on regarde ça, comment les événements politiques ont eu ensuite un rôle dans la suite de l'histoire du VIH. Alors, à gauche, vous avez le premier ministre du Congo, le 30 juin 1960, le jour de l'indépendance, Patrice Lumumba. Sur la droite, c'est la même personne quelques mois plus tard. Vous pouvez voir qu'il est en mauvaise posture dans la boîte d'un camion militaire. Il sera assassiné quelques semaines plus tard.
Alors, ce qui est arrivé, le Congo devient indépendant, il y a une mutinerie dans l'armée, il y a deux régions qui proclament leur sécession, donc il y a une guerre civile qui s'installe, et il y a des centaines de milliers de réfugiés, en fait, qui quittent les régions rurales et qui arrivent rapidement à Léopoldville. Du jour au lendemain, le taux de chômage qui était inférieur à 5 % dépasse 50 %. Donc, il y a une pauvreté très grande qui s'installe de façon rapide à Léopoldville. Et plusieurs chercheurs en sciences sociales de l'époque ont décrit dans des articles écrits dans les années 60, donc bien avant qu'on connaisse le sida, ils ont décrit en fait l'apparition à Léopoldville à ce moment-là d'une prostitution à haut risque, à haut volume, haut débit. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les hommes avaient plus assez d'argent pour entretenir des femmes de façon régulière. Donc, ils n'avaient que $0.5 pour une relation sexuelle rapide. Et de l'autre côté, bien, il y avait beaucoup de femmes pauvres qui avaient besoin de ces quelques sous pour avoir de quoi acheter de la nourriture ce jour-là. Donc, il y a une prostitution tout à coup qui est apparue dans laquelle les prostituées avaient non pas 3 ou 4 clients par année, mais 3 ou 4 clients différents par jour, donc 1 1500 partenaires sexuels différents par année. Et là, les conditions étaient vraiment propices à l'amplification exponentielle du VIH, mais cette fois-là par voie sexuelle. Il y a des banques de sérum, on peut revenir à la précédente, des banques de sérum, en fait, qui ont été testées, en fait, c'était des femmes qui amenaient leurs enfants dans une consultation pour les nourrissons. Et dans les années 70, en 1970, 0,25% des femmes, qui n'étaient pas des prostituées, donc des mères de famille, 0,25% avaient le VIH. 10 ans plus tard, c'était augmenté à 3%. Donc ça a été les années 70, la généralisation du VIH à Léopoldville. Après ça, là, j'ai plus beaucoup de temps. Je vais passer assez rapidement sur cette partie de l'histoire, mais par les techniques de biologie moléculaire, on est capable de voir comment, à partir de Léopoldville, le virus s'est disséminé, d'abord à travers le Congo et éventuellement dans le reste de l'Afrique. Alors, entre autres, le sous-type C, qui est le plus important à l'échelle mondiale, on est capable de voir qu'il s'est disséminé via la ville de Lubumbashi, au sud du Congo. De là, il a traversé vers la Zambie, éventuellement le Zimbabwe, l'Afrique du Sud. Donc, c'est possible de suivre rétrospectivement comment le virus s'est disséminé à travers l'Afrique. Et, diapo suivante, l'exportation de l'Afrique vers les Amériques, on pense le plus probable, c'est que ça s'est fait, en fait, à la suite des événements politiques, justement, au Congo belge. Donc, avec l'indépendance, les Belges, qui étaient en fait les médecins, les enseignants, les agronomes, eux, sont partis très rapidement. En fait, ils avaient peur pour leur vie. Et ils ont été remplacés par des coopérants qui venaient de plusieurs pays. Mais de loin, le contingent le plus important, c'était des Haïtiens. Il y en a à peu près 4 500 qui sont allés travailler au Congo, qui ont passé là-bas plusieurs années, souvent. Et on pense, diapo suivante, qu'il y a un Haïtien et un seul qui s'est infecté là-bas avec le sous-type B, qui a ramené ça en Haïti. Et là, dans mon livre, ceux qui seront assez intéressés pour lire le livre, en fait, il y a eu probablement là-bas, à Port-au-Prince, une amplification, encore une fois, exponentielle du nombre de personnes infectées. Cette fois-là par une compagnie, une business qui faisait le commerce du plasma et dans des conditions qui étaient vraiment absolument déplorables. Donc, probablement la transmission entre les personnes qui allaient, dans le fond, vendre leur plasma dans cette clinique. À l'époque, les années 70, à Haïti, il y avait beaucoup de tourisme sexuel. Donc, et beaucoup de tourisme homosexuel. Donc, les homosexuels américains aller en Haïti pour une semaine ou 2 semaines et ils avaient des rapports sexuels avec des hommes haïtiens, évidemment pour rémunération. Et on pense que c'est de cette façon-là, éventuellement, que le,
que le virus a été importé aux États-Unis. Et probablement que les homosexuels américains ont joué un rôle également dans la transmission du virus en Haïti même. Éventuellement, donc, le virus arrive aux États-Unis. Cette étape-là, donc, vers Haïti, on pense que c'est vers 1967. L'exportation vers les États-Unis, probablement vers 1970, donc pas très longtemps après. Ensuite, il y a une période d'incubation qui dure en général 10 ans, entre le moment où on attrape le VIH et le moment où on a le sida. Et éventuellement, 10 ans plus tard, il y a des gens qui ont commencé à être malades, qui ont développé une pneumonie à pneumocystis en Californie. On a reconnu la nouvelle maladie, et en fait, nouvelle maladie, mais qui existait depuis très longtemps en Afrique. Et ça, c'était les débuts, en fait, la reconnaissance officielle du sida. J'ai une dernière diapo qui résume en deux mots toute cette histoire. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que la transmission du chimpanzé à l'homme chez des chasseurs, probablement qu'il y en a eu d'autres cas avant le patient zéro. Ce qui s'est passé avant, c'est que le chasseur s'infectait. Il transmettait le virus à sa femme. Tous les deux mouraient du sida dans leur village 10 ans plus tard. Et c'était évidemment impossible de reconnaître qu'il y avait une nouvelle maladie à ce moment-là. Vers 1921, plus ou moins 10 ans, il y a un nouveau chasseur qui s'est infecté. Et à ce moment-là, il y a deux phénomènes qui ont permis la dissémination du VIH de façon phénoménale. Ces deux phénomènes-là sont reliés au colonialisme européen en Afrique centrale. Donc, d'une part, l'urbanisation. On a créé des villes dans lesquelles il y a eu plus d'hommes que de femmes, donc la prostitution, éventuellement la transmission sexuelle. Et comme je vous ai expliqué, il y a eu également des campagnes de santé publique pour lesquelles des millions d'injections intraveineuses ont été administrées. Et ça a également favorisé la propagation. Éventuellement, le virus a migré le long du fleuve, le fleuve Congo, est arrivé à Léopoldville où il a trouvé des conditions parfaites pour sa multiplication. Et à partir de Léopoldville, il s'est disséminé, dans le fond, dans le reste du monde. Pourquoi c'est arrivé pour le groupe M et que ce n'est pas arrivé sur la même échelle pour les autres groupes, le groupe O, le groupe N et le groupe P? Je n'ai pas tellement le temps d'en parler, ce n'est pas non plus un domaine que je connais très bien, mais je veux juste vous dire qu'il y a probablement des caractéristiques virales, donc des caractéristiques du virus lui-même, le groupe M, qui fait en sorte qu'il est beaucoup plus transmissible d'un humain à l'autre, et ça aussi, c'est une autre partie de l'histoire. Donc, je m'arrête ici, puis ça me fera plaisir de répondre à vos questions s'il y en a. Bonsoir. Je me demandais pourquoi, si il y avait les conditions parfaites pour la propagation du sida dans les années 1920 à Léopoldville, on n'a pas découvert, il n'y a pas eu de test, ou bien, on n'a pas remarqué que les gens mouraient. Oui, en fait, ce qui est probablement arrivé, c'est que les hôpitaux qui existaient à l'époque, les moyens diagnostiques étaient extrêmement limités. Donc, il y avait beaucoup de maladies, en fait, que les médecins étaient incapables de diagnostiquer. Donc, quelqu'un qui, dans les années, disons, les années 30, se présentait à Léopoldville ou à Brazzaville, il faisait de la fièvre depuis 2 mois, il avait une diarrhée chronique, il avait beaucoup maigri, on ne savait pas. Pas très bien ce que c'était, mais on pouvait se dire peut-être c'est un cancer, peut-être que c'est une tuberculose disséminée, peut-être que c'est telle ou telle autre maladie. Et donc, c'était surtout l'absence de moyens diagnostiques qui faisait en sorte que ça aurait été très difficile pour les médecins de reconnaître ça à l'époque. Dans mon livre, par contre, il y a quelques pages où je raconte l'histoire d'un chirurgien qui travaillait à Brazzaville dans les années 30. Et lui, il n'était pas très occupé comme chirurgien. Et alors, il a fait beaucoup d'autopsies à Brazzaville.
Et il a décrit une nouvelle maladie qu'il appelait cachexie du myome. Le myome, c'est une région du Congo-Brazzaville. Et je suis tombé sur ces articles tout à fait par hasard quand je suis allé à Marseille. Et il a fait donc des autopsies d'à peu près 50 personnes qui avaient cette maladie-là. Et j'ai à peu près 25 patients. Il a trouvé d'autres maladies qui expliquaient le tableau clinique. Il y en a à peu près 25 où, dans le fond, il n'a pas trouvé de cancer, il n'a pas trouvé de tuberculose disséminée. Et à l'autopsie, en fait, il y avait beaucoup de choses qu'il a décrites et qui ressemblaient énormément à ce qu'on retrouve dans le sida. Donc, les gens avaient des ganglions lymphatiques augmentés de volume un peu partout dans le corps, dans le thorax, dans l'abdomen. Beaucoup de gens qui étaient des gens assez jeunes, qui avaient une atrophie du cerveau, une atrophie cérébrale, ce qu'on voit aussi dans le sida, là, ce qu'on appelle AIDS dementia. Donc, lui, dans les années 30, il a décrit une maladie qui ressemblait comme deux gouttes d'eau au sida. Et j'ai beaucoup travaillé à essayer de retrouver s'il y avait des lames de microscope qui auraient pu être conservées de ces autopsies-là, mais j'ai malheureusement pas réussi. Donc, on ne le saura jamais. Ce que je peux vous dire aussi par la suite, c'est que dans les années 50, à Léopoldville, le nombre de cas de tuberculose a augmenté de façon extraordinaire. Alors, on avait d'autres explications. On pensait que c'est parce qu'on faisait plus de dépistage. On avait des traitements maintenant pour la tuberculose, donc c'était intéressant de dépister les cas. Et on a attribué l'augmentation au meilleur dépistage. Mais c'est fort possible, en fait. Vous savez qu'en Afrique, la tuberculose et le VIH, il y en a en Haïti aussi, une association très forte. Et c'est possible aussi que ce qui se passait dans les années 50, l'augmentation du nombre de cas de tuberculose à Léopoldville, c'était déjà le VIH qui causait ça. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, quand j'ai travaillé au Congo dans les années 80, les moyens diagnostiques n'étaient pas meilleurs que ceux des années 50. Et probablement, moi, j'en ai eu des cas de sida, puis j'ai jamais pu reconnaître qu'il y avait cette maladie qui était différente. Donc, s'il n'y avait pas eu cette épidémie qui s'est propagée aux États-Unis, ça aurait pris encore probablement 10 ou 20 ans ou 30 ans avant qu'on reconnaisse en Afrique même qu'il y avait une nouvelle maladie. Absolument. Donc, en Occident, disons au Canada, aux États-Unis, les infections opportunistes qui sont associées au sida, il y en a un très grand nombre. Par contre, dans les pays en développement, l'Afrique et Haïti, de loin, l'infection opportuniste la plus fréquente, c'est la tuberculose. Et donc, certainement que ça l'a effectivement un peu confondu le tableau. On voyait plus de tuberculose et c'était impossible à l'époque de savoir que c'était relié en fait à l'atteinte du système immunitaire qui était causée par le virus VIH. Thank you for your presentation. I read a section of your book that was placed in our course pack. It said particularly that a lot of businessmen that came to Leopoldville, they had the free women that were kind of given to the businessmen as welcome, and then they were passed on. When the businessmen finally went home, let's say to Belgique or France or even US, do you think some of the strains or some of the businessmen would be infected and wouldn't bring it over to Europe, to America, but there wasn't an explosion in all these related deaths? That's why maybe it wasn't really seen, it's passed on, it was there, it's just this case in 19, these five mortality cases in 1981 just brought this to the surface. Do you think that it could have been already propagated in the other countries, like Europe, US, but we just haven't seen it? Absolutely. So I think it's, first of all, it's true what you said, that initially the Belgians and the Europeans in general, they were very good clients of the sex workers. And that went on throughout the colonial period. So there's no doubt that a few of them got infected with HIV. There were case series
that were published in the late 1980s of several Belgian men who had acquired HIV in the Congo in the 1960s. Some of them were already dead, but in some other cases, the wife was still alive, and the wife was available to be tested, and they found HIV. So there's no doubt that a few Belgians and probably a few French people as well were infected with HIV. It seems that in most cases, these were what in epidemiology is called a dead-end infection. So the man got infected with sex workers, transmitted the virus to his wife, and both of them died of AIDS, and that was the end of it. The most extraordinary example of that, and if I think in a previous lecture you discussed another book on the origins of AIDS called The River, there is a section in The River which is quite interesting, which is about the case of a Norwegian sailor. And that man died in Norway in 1976. His wife died a few months later on, and their only daughter, who was 9 years old, died also in 1976. Nobody, of course, at the time recognized what was going on, and so that answers also partly the first question. So in Norway, they couldn't sort out what was going on with this family. And many years later, when the serological test became available, they went back to the, because some blood had been kept from these people, they found HIV antibodies. And it's quite extraordinary that it was actually HIV group O. So not M, the very common one, but O. And in The River, the journalist Hooper went to this place in Norway, spoke, you know, he worked as a journalist, so he spoke to people who knew the guy, and he went actually to the transport company that was hiring the guy, and he went on several journeys to Africa, Douala, and Nigeria, and he acquired HIV group O in the 1960s. And eventually he infected his wife, the wife infected the daughter, and that was another example of a dead-end infections. So I think there were some other dead-end infections like this. Why are we sure that the Belgian guys didn't play much of a role in the spread of HIV in Europe? It's because if they had been bringing the virus from the Congo, you would have found in Belgium several different subtypes. And there was only one subtype. It was when it was reported in Belgium, it was only subtype B, which came from America and from North America, from the U.S. It was exported to Europe. No other questions? Thank you very much for your really interesting talk. I guess it's more eliciting a comment than an answer. But as a public health professional, I guess what was so striking about your talk is how ironic it really is that public health really drove this epidemic through injections and also the role of colonialism. And yet those are the same two trends that are addressing the epidemic. So I guess I was wondering if you could speak or comment to, I guess, that ironic tension there. Absolutely. So I think the last chapter in the book is I try to draw lessons, you know, from this history. And maybe if you read the book, you'll draw different lessons from mine. But certainly one of the lessons of this epidemic is how medical interventions with very nice intentions. I mean, the goal really was to control some tropical diseases, and they were very successful. But how, when humans manipulate nature in a way that they don't fully understand, how you can have consequences which in this case have been absolutely dramatic and were actually completely unpredictable. And I think there might be a lesson for us today. And I think it's not impossible that other medical interventions or other scientific experiments could have terrible consequences. And I think there might be some wisdom that could be hopefully gained from this experience. And
I mentioned one in the book, but maybe I'll mention another one, which is maybe closer to now. But the I don't know if you followed that a few months ago. There was a controversy about a group of researchers who manipulated the avian flu virus. So not the one we had here, which was a few years ago, which was H1N1, but another one, which is called H5N1. And this is really the true avian flu. It causes, when it infects humans, it's about 50% of them who die from this infection. Now, fortunately, it's not transmitted very efficiently between humans. So the cases so far have been from poultry or from birds to humans. And as a way to understand why this virus is not transmitted very efficiently between humans, a group of researchers manipulated some gene within the genome of the virus to make it more transmissible between humans. And they actually succeeded. They managed to change it in a way that the virus, this highly lethal virus, was better transmitted between humans. So the controversy was whether their findings should be published. Okay, and eventually there was a decision that it was going to be published. So, there were some limitations on the amount of information that was made available in the publications. Hopefully, so that other people with not very nice intentions wouldn't be able to use that. But I think it shows that again, this wisdom we're a bit far from it, because if you think about it, is it really a good idea to manipulate this virus and to make it transmissible between humans? I'm not sure. So I think there's a lesson which has not been quite made. I think, as you said, the colonial powers played a major role in the emergence of HIV, and now these countries are to a large extent dependent on the same European and North American countries to fund the fight against HIV. So there, I agree, there is some irony there. You mentioned earlier that you believe that hunters have been eating monkey or chimpanzee, sorry, and contracting the virus for a long time. Do you have any hypothesis as to how the virus originated in SIV, so in the chimpanzee form, and if studies are being made on this specific topic? Yeah, so that's another topic, but which has been addressed by some researchers. And the thinking is that the chimpanzee virus, SIVCPZ, it actually comes from, not from apes, but from small monkeys. And actually, chimpanzees, they're a bit like humans. They eat about everything, and they eat small monkeys. And there is some evidence from studies using molecular biology that the SIVCPZ, the chimp virus, parts of it comes from a virus which circulates among one species of small monkey called the red-capped mangabey. And another part of the virus comes from another small monkey, I can't remember its name. And eventually, what probably happened was that one chimpanzee got infected with both viruses from these two different monkeys. And eventually, these two viruses managed to recombine, and that's what eventually led to SIVCPZ. And then SIVCPZ was transmitted between chimpanzees, and eventually, as I've explained, to humans. So it probably comes from smaller monkeys. Now, where did the smaller monkeys got it from, I have no idea. Les rétrovirus sont peu affectent peu certaines espèces.
Il y a d'autres rétrovirus qui sont beaucoup moins mortels. J'ai parlé du HTLV1 et celui-là, si vous êtes infecté par le HTLV1, il y a à peu près 90% de chances que vous n'allez jamais développer aucune maladie dans votre vie. Il y a à peu près 5% de chances que vous allez développer une forme de cancer, 5% de chances que vous allez devenir paraplégique. Donc, celui-là, il n'est pas très létal. L'autre qui est assez intéressant, c'est le VIH2. Alors, le VIH2, lui, peut causer le sida, mais il est beaucoup moins létal que le VIH1. Le VIH1, si on suit les personnes infectées pendant longtemps, ça multiplie la mortalité par un facteur d'à peu près 10. Le VIH2, ça multiplie la mortalité par un facteur d'à peu près 2. Et c'est la raison pour laquelle il a été possible. En fait, nous avons été capables en Guinée-Bissau, qui est l'endroit où il y en a le plus, le VIH2, ça a été possible de prendre des gens âgés qui avaient le VIH2 et de relier leur infection à des traitements médicaux qu'ils avaient reçus 40 ans auparavant. En passant, le VIH2 en Guinée-Bissau, chez les gens qui sont âgés, disons actuellement de plus de 60 ans, c'est entre 15 et 18 % qui se sont infectés par le VIH2. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, puis c'est ce qui m'a lancé un peu sur cette piste-là des interventions médicales, c'est qu'en Guinée-Bissau, le VIH2, il est en train de disparaître, alors que le VIH1 est en train de se disséminer. Et ce que ça nous dit, ça, c'est que le VIH2, alors que le VIH1 augmente, le VIH2 disparaît, ça nous dit que la transmission sexuelle du VIH2 n'est pas très efficace. Alors, si la transmission sexuelle du VIH2 n'est pas très efficace, comment est-ce possible que 15% des gens d'un certain groupe d'âge se soient infectés par le VIH2? Alors, moi, c'est ça qui m'a un peu lancé sur ça. Si ce n'était pas le sexe, c'était probablement des interventions médicales. Puis, dans le fond, c'est un peu à travers ça que j'ai commencé à fouiller toute cette histoire-là. Chez les chimpanzés, en fait, comme j'ai expliqué, on a longtemps pensé que le virus était tout à fait bénin. Et on a démontré il y a peut-être 2 ou 3 ans, et ça c'est assez... Je trouve ça assez extraordinaire, mais en fait, je ne sais pas si vous vous intéressez un peu aux primates, mais Jane Goodall, vous connaissez peut-être le Jane Goodall Institute, je pense qu'il y en a un ici à Montréal. Elle, c'est une primatologue qui a commencé en 1960 à observer des chimpanzés dans une partie de la Tanzanie qu'on appelle le réservoir ou le parc de la Gombe. Et éventuellement, les biologistes moléculaires, ils sont allés dans ce parc et ils ont recueilli des échantillons de matière fécale des chimpanzés. Et donc, tous les chimpanzés là-bas sont connus, ils ont tous un nom. Et à travers les échantillons de matière fécale, on est capable d'identifier que c'est tel ou tel chimpanzé qui a produit les matières fécales qu'on a ici devant nous. On a identifié lesquels étaient infectés par le virus. Et ensuite, pendant 10 ans, on les a suivis et on a comparé la mortalité de ceux qui avaient le virus avec la mortalité de ceux qui ne l'avaient pas. Et c'est comme ça qu'on a trouvé que ça augmentait chez les chimpanzés la mortalité par un facteur 10, qui était exactement la même chose que chez l'humain. Voilà, alors s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Thanks a lot, it was a pleasure. Alors, je fais quelques remerciements d'usage. Bien sûr, vive Healthcare, partenaire avec Shire Biochem et Gilead Sciences, nos commanditaires principaux, Jason Milan pour le design graphique
CUTV pour l'enregistrement vidéo, l'équipe pédagogique du cours de VIH-SIDA avec la professeure Viviane Namas, l'assistant Alex McClellan, je m'excuse, et la coordonnatrice de stage Gisèle Suzor-Morin. Tom Waugh pour son investissement dans cette série depuis tant d'années et qui, on espère, pourra se poursuivre autant que nécessaire. Ainsi que Asher Feinstein pour son engagement en tant que coordonnatrice de la série de conférences. Pour plus d'informations, vous pouvez revoir cette conférence sur le site aids.concordia.ca. Et enfin, bonne soirée et merci de votre contribution à la lutte contre le sida. Thank you very much for this night with us and see you at the next conference.